Alors, au cas où cette Attendez, vidéo. Moi, je suis bugué. Tu bug? Bah, je peux pas bouger. Ah. C'est mis en AZERTY, en QWERTY? Ah, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Donc, au cas où on aurait un truc marrant, vous verrez cette vidéo. Violet, là. Voilà. Donc, je suis avec Papa Albator et Weirdo. Et Papa qui a un gros niveau maintenant, level 18, Papa Albator. Yeah, yeah. Tu nous as mis en professionnel. Ouais. Alors, en professionnel, à part que je vais pleurer, c'est quoi professionnel? Donc, il n'y a pas de chrono? Alors, professionnel, le chrono il est à zéro. Ah, donc, quand on rentre, on peut se faire attaquer. D'accord. Mais par contre, ça paye beaucoup plus quand on va, enfin, en trouvant l'épreuve. C'est pas indispensable. J'ai déjà assez peur. Plus d'argent, plus de level. Donc EMF obligatoire, une photo de salle, crucifix. George Clark. Alors c'est George Clark qui ne parle qu'aux personnes seules. Oh la merde. C'est super. C'est super. Tout ce qu'on aime. Est-ce que je prends un crucifix dès le départ? Je pense pas que ça vaille le coup. Je pense pas que ça vaille le coup. En général, ce qu'on fait dès le départ, c'est que tu prends une lampe. Ouais, ouais. Ensuite, tu prends un détecteur, que ce soit un détecteur EMF ou la spirit box ou les températures glaciales. Ouais. Enfin, le thermomètre. Et tu prends quelque chose que tu vas laisser sur place pour, Bah, je prends un bouquin, pour rajouter des preuves. Ouais. Voilà, tu peux prendre un bouquin, tu peux prendre une caméra, voilà. Et Weirdo, du coup, tu remplaces Féa ce soir, puisqu'il nous a lâchement abandonné, il répond pas. Est-ce que tu as pris la spirit box? Ouais, on est tous habitués. Eh ben, on est bon. On est bon. Je vais prendre. Est-ce qu'ils sont légèrement plus agressifs d'ailleurs, les fantômes, je me demande? En mode pro. La ferme pro. Ah oui, t'as mis. Alors, oui, ils frappent plus souvent. Ah, la caméra frontale. Oh là là. Bah mais là on va attendre la photo. Bon alors, l'avantage là c'est que la ferme est plutôt petite. Ouais. Surtout que j'y vais à froid, j'ai même pas fait de partie avant moi. Vous avez pris la clé électrique est là. Non. Ouais là. Allez, ambiance glauque. Ok, on va déjà essayer de trouver les températures. Bon bah on va rester groupir alors. Bon. On suit le papal. En règle générale, les températures réagissent toujours. J'ai 13 degrés ici, donc c'est bon. Je suis toujours pas dans l'ambiance. Ah. Ce serait dans la chambre. J'ai 11 degrés ici. Oh oui, ça ressemble à dans le coin là. 10 degrés, ouais, on est bien, on est là. C'est dans cette zone. Bonjour George Clark, nous sommes venus en invité. Surprise. Ok, Weirdo, on a trouvé la pièce. T'as combien là? Ok, je suis à la recherche de l'eau sale. L'eau sale, pardon. Là, j'ai 10 degrés, j'ai moins de 10 degrés, j'ai 8 degrés. Ouais, peut-être le sale quand il se manifestera. Voilà, je me suis rappelé le 7 degrés. Ouais, bah il arrive. Ah, je l'ai entendu parler. Oh putain! Il nous a enfermés? Eh merde, ça va être moi! Il est là, tu le vois? Oui, bah oui, je le vois. Putain, il vient vers toi. Je sais. Ok, bon, on n'a pas les températures glaciales, j'ai eu 5 degrés, mais. C'était pas violent, et putain, il a fermé la porte direct. Il est violent, lui, hein. Sauf que l'EMF n'a pas... Reste pas tout seul. Non, je viens avec toi. J'ai laissé le livre, tu peux lui demander de l'écrire, mais par contre, j'ai un problème, c'est que l'EMF, zéro... On rentre tous ensemble. Hein. Voilà. J'ai 3 degrés, là. Oui, il est ici. 2 degrés. Putain, alors... je l'ai entendu respirer. Écris dans le livre, Georges, s'il te plaît. Écris dans le livre ce que tu veux. EMF 0. Non mais Weirdo entre. Ouais. Eh oh, moi j'y ai droit. Hein. 3 degrés là, 3 degrés. 3,1. J'ai 1,7. Il a répondu. 1,7. Ouais. Ouais, je l'ai entendu dans l'esprit de box. Qu'est-ce qu'il a dit justement? 0 degrés, Max. 0 degrés, on a des températures glaciales ici. Alors... Ouais, moins 0,2. Température glaciale, c'est validé ça. Mm-hmm. Bon bah ça veut dire qu'il va attaquer. Bah, il faut sortir. Est-ce que... Attends, merde. Non. Est-ce que tu vois des empreintes sur la porte? Il faut trouver les preuves. Alors, le livre, il n'a pas écrit. Et mon détecteur, il n'y a rien du tout. Je vois rien sur la porte. Et là, c'est quoi par terre? Oui, il a failli voler une caisse. Ah, non plus. Ah, putain. Deux. Oh, putain, t'as combien? Deux. Rien du tout, juste deux. Ouah. Mais il est à côté, dans la petite pièce. Il a fermé une porte. Ouais, mais il était à deux. Est-ce qu'il fallait prendre une photo? Si on peut, c'est d'argent en plus.
Est-ce qu'à la porte tu vois justement des empreintes? Regarde, la porte qui ferme au fond, la pièce, Weirdo. Ou... Ah, c'est Papal qui a... Moi, non, mais il y en a pas. Non. Par contre, j'ose pas y aller tout seul à côté, par contre, faudrait que vous veniez avec moi pour l'UMF. Peux-tu écrire dans le livre? Ouais. Tiens, on va aller dans le couloir, on va laisser Papal 2 secondes. Putain, j'ai moins 7 degrés, il va attaquer là. Pas fou, pas fou, non. Qu'est-ce qu'on est courageux. Il faut le prendre en photo ou... Non, c'est l'eau sale qu'il faut en fait. Mais il faut que j'arrive à le capter avec l'EMF et j'ai eu que niveau 2, c'est ça qui est embêtant. Ah, il ressemblait à quoi pour toi? Moi c'était une ombre noire. Putain, j'ai moins 10 degrés. Et bah il nous suit. J'ai moins 10 degrés là-bas en pointant. Ouais, J'irais bien chercher l'appareil photo moi. Ouais si tu veux. Parce que là... Eh merde. Ah, oh putain! Ça va pas! Planquez-vous! T'es où? Ok, je te suis. Alors là, on est dans la merde, hein. Viens avec nous. On est dans le coin. Oh! Il te suit! Il te suit, Weirdo! Ah merde. Weirdo, tu nous entends? Ah non. Il est mort. Bon, il faut qu'on sorte de là, hein. C'est vachement dur en pro. Bah là c'est bon hein. Oui c'est... Attends son cadavre. Bien on se calme. Ouais mais on va perdre du matos. Oh la vache. Non. En fait on perd le matos que tu perds c'est uniquement ce que la personne qui est morte a perdu. Ah. Ça je peux poser. On a les températures glaciales, il n'y avait pas d'empreinte. Alors il n'a pas écrit. Il va falloir mettre des caméras. Il a dit que la Spiridox c'était bon, mais moi j'ai pas eu le MF par contre, c'est très bizarre. Je sais pas, il est à 5, mais est-ce que ça a validé le tableau? Ça a validé le tableau, attends. D'accord. Température glaciale, Spirit Box, voilà. On a forcément un spectre, un cauchemar ou un démon. Spectre, cauchemar ou démon. Je prends un crucifix moi, il y en a un en rab. Ouais. Démon, c'est écriture fantomatique, on va checker le bouquin. Cauchemar, c'est orbe fantomatique, il faut qu'on pose les caméras. Ah, et spectre, c'est les empreintes. Non, il n'y avait pas d'empreintes. J'ai regardé partout, il n'y avait pas d'empreintes. Alors, ça peut apparaître après, mais en général, c'est... Eh ben, je vais prendre une caméra. On trouve assez facilement. Hein, alors, attends, caméra. Ouais. On va mettre F, on va installer l'autre. Pareil. Alors, moi, je la démarre avant. Ah merde, ah, bah, d'accord. Excuse-moi. Moi je la démarre avant de la poser dessus, tu vois. Oui, il faut que je m'habitue, c'est ça que je fais pas. T'avais mis un bouquin sur place? Oui. Ça par contre, j'étais bon là-dessus. Alors attends, on va regarder aussi notre santé mentale. Je te propose, on va bouffer quelques cachetons. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Par contre, professionnel asile, je suis pas prêt. Hein. Ah bah non, on va pas faire asile tout de suite, pro, t'es fou toi. Alors, à savoir que on a déjà fait un tournage asile, je voulais pas montrer, ça a duré 1 heure, parce qu'en fait il était bugué, on est en version bêta, et le monstre m'a tué, c'est pour ça que je n'avais plus rien, j'ai racheté un peu là. Et le monstre courait dans le plancher en fait. C'était le gros flip. Hein. Et on a eu beaucoup de mal à le trouver, et puis finalement, quand on l'a trouvé... Ouais. Sauf que la parabole sonore, bah c'était extra, c'était pas à gauche. Je sais plus. Là, c'est là. Ah ouais, c'est quand même loin. Et où est le cadavre de pauvre Weirdo? Rien dans le livre. Je mettrais bien là la caméra, moi. Non, elle est dans le mauvais sens. J'ai posé la mienne. Par contre. Est-ce qu'il a écrit dans le bouquin? Non, il a pas. Non, mais je mets le crucifix. Tu sais quoi, même. Pouvez-vous écrire dans le livre? Ouais, t'es dégueulasse, tu t'en vas, toi. Georges ? Je vais chercher l'appareil photo. Viens. Non, je suis là, t'as vu ? Attends, allons chercher l'appareil photo. Je sens qu'il va attaquer. Là, je sens ouais, ouais, il y avait de la buée. Je suis pas en confiance encore. Et puis la porte n'est pas assez grande ouverte. Hein. Putain, t'as fermé. Nom de Dieu. J'ai pas envie de paniquer. Ça va. Non, ça va, il n'y a pas d'activité là, ça va. Ouais, alors, on va regarder les empreintes automatiques. Ouf. Ouais, déjà. Alors là, on est sur la tienne, on n'en voit pas. Mmh. Hop.
Voilà, et l'autre. Alors, est-ce qu'on voit un petit poids lumineux comme une bestiole ? Il y a rien. Il a spawn vraiment dans l'angle vers les lits, là. Weirdo, il est passé à travers la porte. Ouais, Weirdo, si tu nous entends, tu peux parler avec nous, tu te remets sur Discord. Hein. Salut. Ah bah voilà, mon pauvre. Il faut que tu te dévoues. Il faut que quelqu'un aille dans la pièce et l'appelle. C'est marrant. Ok, je vais le faire. Parce qu'il faut de l'activité en fait dans la pièce pour qu'on détecte les orbes. Donc je vais rester là. Ouais, je m'en doute. Parce que il faut bien que tu filmes l'action. C'est bizarre d'ailleurs que tu veuilles pas les livres. Voilà. Et puis compte sur moi. Si tu meurs, j'irai avec un appareil photo pour ton assurance. D'accord. Bon talkie-walkie, c'est dégueulasse. Allez zen les amis. Voilà, activité zéro, tu peux y aller. Ah ouais, mais j'y vais joyeusement. J'essaie juste de me souvenir que l'on rentre. 8 déjà ? Non, je plaisante. Alors, on retombe dans la pièce. De toute façon, j'ai un crucifix. Son petit nom ? George Clark. Voilà, d'accord, George Clark. Salut, enfoiré George Clark, montre-toi. Par contre, mauvaise nouvelle, il va falloir que t'éteignes ta lumière. Je refuse. Je suis pas d'accord. Ouais, mais avec la lumière, en fait, tu peux pas voir les orbes. Tiens, il a écrit dans le livre. Il a écrit dans le livre ? Oui, c'est bon. Ok, on va juste prendre une photo du cadavre de Weirdo pour lui faire son assurance. Je sais pas où il est, le cadavre, justement. On le voit pas dans la pièce. Je suis mort à l'étage. Ah, pourquoi ? Non, tu m'accompagnes, tu me laisses pas seul. Hein. Non, mais je fermé la porte, mais il m'a tué. À moins que tu veux vérifier ce qu'il y a écrit dans le livre, mais je te confirme qu'il y a des traits. Hein. Alors voilà, on va à l'étage, gentiment. Merci Weirdo, hein. Il nous facilite la tâche. Ça serait je quoi vois pas, Weirdo. Alors, il serait dans une chambre. Oh, il y a un os. Ah bah ça, photo alors. Photo, ouais, et il faut le ramasser, mais au dernier moment. Le problème, c'est que j'ai plus de place. Vas-y, en fait, prends-le. non, mais j'ai pas de place, j'ai un crucifix. T'es mort où, Weirdo ? Tiens, c'est bizarre, là. T'as été jusque dans la chambre, là ? Ah, mais si, j'avais la place. Je vois pas ton corps. La pièce, t'as été, là ? Ah non, la porte est fermée. Ah bah, il est là, regarde. Ah bah si, il est là. Ok, il a essayé de se cacher, mais ça n'a pas marché. On peut ramener des choses okay, à lui. Ok, on a ton assurance. Du coup, on s'en va. Bon, t'es sûr, il a écrit dans le bouquin. Oui, on peut retourner voir. Si on ramène pas les objets à Weirdo, il perd tout, non ? T'es un coquin. Sauf que ça marche plus, tu vois. Oui, je disais, Weirdo, si on ramène pas ses affaires, il va perdre son appareil photo, tout ça, non ? Ou c'était à nous ? Alors non, à partir du moment où il meurt, de toute façon, il perd tout ce qu'il avait ajouté dans l'inventaire de l'équipe. Il nous manque un truc. Attends. L'eau sale. Oh, l'eau sale. Oh, tu vas être obligé de retourner. Ben non, on y va à deux. Déjà, attends. Qu'est-ce qu'on avait ? L'écriture. Ça, c'est con, j'aurais essayé. L'écriture, ça donne quoi ? La santé mentale, elle descend. Hein. C'est un démon. Ah oui, ça descend vachement. Hop là, moi je prends. Voilà, un autre. Donne-moi 2 secondes. Donc on a dit c'est un démon. Ah ouais, c'est un démon. Tout de suite un méchant quoi. T'avais ramassé l'os ? Non. Mais j'ai un crucifix. T'as pas ramassé l'os ? Non. T'as l'appareil photo ? Non, mais il faut ramasser l'os parce que c'est la preuve ADN. Il est où ? Il était à l'étage ? On a dit écriture fantomatique, c'est un démon. Okay. Ouais. On y retourne. Il est à l'étage. Viens avec moi. Ok. Attends, moi je prends l'autre appareil photo. Oui, tu prends, parce que moi j'ai une main libre, j'ai crucifix. Oh. Ok, t'as quoi d'autre ? J'ai que crucifix et lampe, parce que je ramasse l'os. Attends, on va peut-être lire un peu ce que fait le démon. Il fait mal. Il y a peut-être un moyen de l'empêcher d'attaquer. Mais il attaque, c'est le crucifix qui lui fait peur. Hein. Les démons attaqueront plus souvent que les n'importe quel autre fantôme, déjà ça pose le décor. Faiblesse, poser correctement une question à un démon sur une planche Ouija ne réduira pas la santé mentale des utilisateurs. Ouais, mais. Écoute, on n'a pas trouvé la planche Ouija. Hein, donc, ou dans un placard. Comment est l'activité ? Ça va. Ouais, ça va. Et... Regarde ça.
Il redescend à 1. C'est maintenant ou jamais, mon grand. Bah, let's go. Pourquoi avoir mis en professionnel tout de suite ? T'es sadique. Ouais. C'est bien en professionnel parce que ça rapporte de l'argent et puis en même temps c'est de l'adrénaline. Il y a de l'adrénaline. J'appelle pas ça l'adrénaline, des gros frissons dans le dos là. Attends, je vais dans la cuisine directe moi. Pourquoi ? Je me sépare pas de toi là. Ouais, bah je reste avec toi. Je suis à fond dans le respect. Alors. Non, il n'y a pas d'eau sale ici. Alors, ça, c'est ici qu'on va venir se planquer, tu vois. Ouais. D'accord. C'est s'il attaque, si tu vois ta lampe clignoter, tu viens ici. Et tu quoi, te caches là. Mais c'est un petit cagibi, c'est dangereux. Oui. Non, en fait, tu vas te mettre dans le noir là-bas et puis tu... Ouais, mais j'ai un crucifix, de toute façon, donc en théorie, ça va nous aider. Ça va aider à être au Satanas, quoi. D'ailleurs, je sais pas s'il aime ces mots-là. Non, pas de lavabo. Ou alors ici, tu vois. Ici aussi, ça peut être pas mal. Pour mourir, c'est bien. Bon, on n'a pas d'eau sale. on est venu chercher un os, tant pis. Hein. On va au moins ramener une preuve intéressante pour l'argent. Non, c'est clean. Ah. Hein. Les toilettes, il n'y a pas d'eau. Ah. Je sais pas, il me semble qu'il y a un robinet là-bas derrière dans le... Bah allons voir. Ouais. Ah oui, dans la pièce là-bas, là. Ouais, il me semble. Tiens, le livre, regarde, tu vois. Non, en fait, trop pas, il y a trop pas de robinet. Ah d'accord, tu ne peux pas courir. D'accord. Il est mignon, hein. Une photo de toi en train de marcher sur le livre. Putain. Accélère. Mais non, c'est weirdo ça. Weirdo, c'est toi ? Es-tu là ? Si tu nous entends, weirdo. Alors, ce squat, il était où le petit os ? Mais y a pas de lavabo ici, si. Bon, ouais, hein. Dis donc, l'eau sale, c'est galère, hein. C'est chiant. Y a pas. On peut démarrer la douche. Weirdo. Ah mais là ça va moi. Tu te fais pas bien. Là, oui. On va interdire Discord. Bon, il est où le petit os là? Non. Bon, il est là. Ah ouais, là, j'arrive, je le prends. Voilà. Il faut la preuve ADN. C'est bon, je l'ai. Voilà, c'est bon. Maintenant, moi je suis en sécurité, en général, il focus celui qui a ramassé l'os. Donc c'est good. Ouais, bah écoute, cassos hein, dans ce cas-là, parce que l'eau, tant pis. Hein. Moi je dis ça. Hop. C'est étrange quand même. Ouais, c'est galère, on n'a pas trouvé le. L'eau sale. Je ne sais pas. Je croyais qu'il attaquait plus souvent que les autres là. Eh, hey, George Clark. Voilà, on a fermé la porte. Tu es où? Ah, moi c'est bon, je rentre plus dedans, hein, je vais surveiller l'activité. J'ai ma dose là. Alors, calme plat. Vraiment, c'est incroyable. Allez, on va ranger ça. Ça. Non, mais il sait qui est son maître. Ah bon? Bah, vas-y à poil pour voir. Moi, j'y vais sans lampe hein, si tu veux. Mais bon, ça sert à rien là, on a tout. Tu, du coup, t'as bien sélectionné des démons pour valider. Et puis le fantôme avec un crucifix, bah vas-y si tu veux. Hein. Moi j'en ai pas besoin. On a les photos, on a les arts. Ouais, mais non. Si je meurs, franchement, on perd tout le matos. Moi. Voilà, non. Allez, on valide. Cassos. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est vrai que pour l'instant, c'est moi qui ai mis à peu près tout. Ouais, c'est vrai. Papa l'a chargé l'inventaire, c'est pour ça. Alors, oh, mais ça paye. 135. C'est pour ça qu'en pro, c'est intéressant, parce que ça paye tout de suite. T'as eu ton assurance, toi? J'ai eu que dalle en assurance, j'avais rien ajouté. Hop. Ah, t'avais pas d'objet? Ok, d'accord. Non. Voilà.
Du coup, j'ai l'asile en amateur, j'ai l'école en intermédiaire. Essayer de se faire une pro. Eh ben, j'en ai pas. C'est déjà pas mal. On peut retenter l'asile, hein, ça peut être sympa. Hein. Ouais, mais il est en amateur, ça rapporte rien. Franchement, ça rapporte rien, et puis il faut être 4. Ah oui, mince. Moi, ce que je propose, c'est que je fais une transition, on se retrouve dès qu'on a trouvé le bon contrat. Donc, cette fois, on est à 4. Papal, Féa nous a rejoint, et Weirdo est redevenu vivant. Ouais. Salut. Ça, c'est un jeu magique où tu... Il est mort. Ah ouais, il est mort. Non mais il était pas vraiment... En fait il était en PLS et tout. Il était dans le coma. Parce qu'il était peut-être pas si mort que ça. Alors le maître du jeu ce soir pour les contrats c'est Papal, c'est ça? C'est moi, ouais. T'as déjà choisi? Alors là j'ai... Oui j'ai mis la ferme en intermédiaire parce que le seul contrat professionnel que j'ai c'est l'asile. Ouais et en intermédiaire c'est quoi la différence On gagne... On gagne plus qu'en amateur, mais moins qu'en en professionnel. De ce et là. On a 2 minutes au démarrage, 2 minutes safe. Ah ouais, d'accord. Pourquoi tu veux pas aller à l'asile en professionnel? Ah, t'es fou? T'es fou, toi. Pas quoi? On connaît pas assez l'asile, honnêtement. Ah. Et puis, là, je pars en pleurant. Hein. Qu'il faut connaître. Ah ouais, non, ouais, bon, on est 4, hein, tu vois, ça aide. Oui, mais je peux être dedans, dans le camion, à 4 pattes, en train de pleurer, et je vous attends, hein. Je suis cap. Hein. Ouais, moi aussi, hein. Pas de soucis. Hein. Eh ben écoutez, on va prendre l'intermédiaire. On se retrouve en tout cas dans le camion. Allez, on se met prêt. Yes. Ouais, l'asile. Si, on va le faire en normal d'abord. Déjà. Waouh. Bon. Ouais. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a toujours un qui rejoint un peu plus tard. Eh ben, c'est fait. Du coup, le matos n'est même pas là. Waouh, il faut attendre. Bah non, en fait, il faut attendre que le quatrième arrive. C'est lui qui arrive en fait avec les objectifs, tout le scénario. Ah, je savais pas. Ouais, à chaque fois, c'est à toi qu'on attend. Je sais bien, ça c'est une valeur sûre, hein. Tout me le dit. Aïe, aïe, aïe. Bon, et je voulais aussi remercier ceux que j'ai lâchement virés et abandonnés avec toi. T'avais prévu une soirée avant, mon papa, je suis désolé, hein. Hop, hop, hop. Bah hop, ouais, hop. Mais enfin bon. Donc gros bisous à DevOpix. Ah, bon, voilà. Bon. C'est une ferme. EMF, photo, évier. Photo du fantôme. Ah. Oui. Mary Smith. Parle à tout le monde. Eh ben voilà. Bon. Bon. Bah moi je prends les températures. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? La lampe. Et une lampe. Quelqu'un et une caméra frontale. Bah, je prends le. Des caméras frontales pour tout le monde là. J'ai pris le speedbox parce que si elle répond à tout le monde, elle pourra peut-être nous répondre. Ouais. EMF et puis. J'ai pris la clé également. Ah, je te voyais toi dans ton coin en train d'envoyer des sextos là. Et l'âme pour le. Je te vois. Et l'âme qui m'a envoyé un message pour le. Non, il arrête pas cet homme là. Alors, photo de la scène. Ah non mais il a une vie sexuelle débordante. Ah ben on va te présenter Marie. Il a trouvé, un peu de temps pour venir avec nous. Alors, quelqu'un a pris la clé. Yes. Marie Smith. Ah ouais, t'inquiète. Attends, c'était quoi déjà ce bruit? Au rideau tu recoules encore? Non mais c'est pas possible ça. Ah ouais, t'as une paille. Bonjour Marie Smith. Corde vocale à un vibre. Marie Smith, attaquez-nous. Ouais. Marie Smith. 2 minutes du peuple, hein, vous connaissez. Marie Smith, attaquez le noir. Marie Smith, parlez-nous s'il vous plaît. Bon, j'ai mon sentiment personnel. Ça va être dans l'étage, je sens. Ça va être la merde. Marie Smith. EMF à zéro là. Marie Smith, êtes-vous avec nous? Oh, oh, Marie. Ah, ils ont fait l'armée dans le coin. Je suis à 5 là. J'ai eu 11 degrés ici. Ah, ce sera en bas. Marie Smith? Attends, Weirdo, t'as appris la parabole, c'est cool. Dans l'atelier là. Ouais, j'étais à 5. Est-ce que tu captes quelque chose là?
Ah ouais, j'ai en dessous de 13 degrés, ouais, 10 degrés. Ça y est, c'est bon, c'est ici. On a trouvé, hein, Féa. Ouais, c'est la Féa. Alors moi j'ai rien. J'ai rien ici, mais j'avais un truc dans la pièce à côté. Ah, et je croirais plus à la parabole, tu vois. Marie Smith. Moi, je te le dis. Est-ce que vous m'entendez? Pouvez-vous nous répondre? On n'a rien à l'EMF avec Marie Smith. Ça, c'est good, ça. Ça marche, ça? Ah ouais. 10 degrés ici, hein, vraiment, le couloir là et le couloir puis la pièce ici, c'est... Marie Smith, est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Aucune réaction. Vous êtes mort comment? C'est bien là, ça commence à baisser. Hein. Comment êtes-vous morte, Marie Smith? Est-ce que ça a fait mal de mourir? Oh bah je pense. Hein. Vous n'avez pas trouvé la porte du paradis? Vous n'avez pas suivi la lumière? J'ai rien du tout à l'EMF. T'es monté à l'étage, Wardo? Ah, quelqu'un avait la Spirit Box? Ça baisse, hein, ça baisse. Marie Smith? Le Talkie Walkie, oublie pas, Wardo, je t'entends pas. Ouais. Je reviens, je vais chercher une. Je cherche Tiens, la porte est ouverte ici maintenant. Bah, c'est toi, ouais, je l'ai ouverte. C'est pratique, hein? C'est franchement pratique. Ça, on le sent. Mais t'as trouvé une clé pour ça ou? C'était la clé de la maison. Ah bah c'est cool. Bon, EMF, rien pour l'instant, mais je le garde encore. Weirdo, tu es seul dans la maison. Hein. Ah, en plus, ça augmente à 5 là. Je panique. Mais non, le calme est plat. Activité à 1. Il panique pas. Le chrono est fini par contre. Hein. Je panique. Ah, il a eu un EMF 5, c'est bon signe ça, non? Non, il n'y a pas eu. Il a eu à 5, il a la parole parabole acoustique en fait. Si, moi j'ai entendu dire. Ah, c'est la parabole acoustique qu'il a. C'est bien la parabole acoustique. Ah. Ouais, d'accord, ok, c'est juste le parabole. Ok, je te vois avec ton casque, bah, ça va là, c'est la caméra que je vois. J'étais à 15 là, je suis à 15. Oui, mais c'est juste le son. Activité à 4. Du coup, je suis assis dans le camion, je regarde la caméra. Activité à 8. Activité à 8. Bon, on voit pas de luciole. Je vois aucune luciole à la caméra. On va regarder un peu les casques des copains. Ok. Ça, c'est moi. Ça, c'est dehors. L'activité est retombée à 0 quasiment. La santé mentale. Bon, santé mentale, ça va. Weirdo, il y avait eu un pic à 8 quand même là où tu étais. Hein. Mais il y avait 15 dans l'entrée. Ah ouais, donc c'est le bon endroit quoi. Ok, je vous vois la caméra posée au sol. Activité à 2. Marie Smith, tu peux y aller. Elle répond à tout le monde, donc là, vous avez pris un crucifix? Ok. L'activité ne monte pas. Marie Smith, elle était à 15 dans l'entrée, elle bouge beaucoup. Elle bouge, il faudrait lui demander d'écrire dans le livre, peut-être. C'est pas mal d'observer tout en même temps aussi, c'est assez rigolo. On a des casques, des copains. À mon endroit, je suis à l'entrée là, je suis pas dans votre pièce. Ouais, mais j'ai bien vu, j'ai changé de caméra. T'étais avec quoi, Féa, la Spirit Box? La Spirit Box, j'ai laissé là-bas, je vais prendre autre chose, je vais prendre de l'EMF. Activité à 4. Elle est à l'entrée, elle est pas là-bas. Hein. Bah fais attention, ouais, je te vois tourner LOL aussi devant. Activité à 1, ça retombe. Il y avait quelque chose. Papal, ça va? Tu réponds plus? Regarde la caméra si tu vois des offres automatiques. J'ai une caméra à l'entrée. Bah, pour l'instant, je vois rien. Mais vous voyez Papal? Je suis là, sur le même endroit. C'est toi qui explore la pièce en haut, là? Ah non, ça c'est en bas, c'est... Ok. Activité à 10! Activité à 10! Vous avez testé le... Alors, vous voyez quelque chose? Activité à 10, les gars. C'est au max. Non, hein. C'est au-dessus. Ça doit être au-dessus. Papal Bator? Ça va, ça
Ah, c'est redescendu à U. Les lampes clignotent pas. Ah, c'est très bizarre. Alors, c'est pas une chasse. C'est pas une chasse. C'est pas une chasse, mais là, quelqu'un a été à l'endroit, ça l'a dérangé. C'est retombé à 4. Ah, ils sont tous en bas. Weirdo est à 44, papa à 52, vous baissez pas trop trop. Et activité 0, c'est fini. On est EF5 et livre écriture fantomatique. Enfin, Le livre, elle a écrit ? Ouais, elle a écrit dans le livre. Alors. EMF5. Donc on a déjà 2h10, ce qui est bien. Il y avait les températures froides ? Je pense que le pic à 10, c'était quand elle a écrit dans le livre, peut-être. Ah, c'est pas con. Il y avait température glaciale ou pas? Oui, hein. Non, on n'a pas vu température glaciale. Bon, alors on a que 2 preuves pour l'instant. Ok. Apparemment, elle aime l'alchimie, mais voilà. Du coup, je prendrais bien. Hop, je laisse ça. L'appareil. Ouais, mais je reviens, il faudrait la prendre en photo. J'arrive avec l'appareil photo. Par contre, il faudrait venir prendre des pilules. Hein. Weirdo, il faut que tu viennes prendre de la pilule, t'as 35%. Féa, 65. Bon, alors là, on y va à plusieurs, puisqu'elle vient avec tout le monde, et il faut la choper. Hein. Faudra peut-être qu'on soit au moins deux pour l'appareil photo. Ah, une orbe fantomatique. Fais voir. Fantomatique. Bah, elle vient de disparaître, mais je l'ai vue. Ah, bah, elle va repasser. T'as vu la luciole? Ah, oui, ouais, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. C'est très, très fugace. Très fugace. Alors, ce serait quoi? Bon, bah voilà, c'est une ombre. C'est une ombre. On a eu quoi là? Bah, il nous manque l'appareil photo. Le MF5, on a eu le livre, l'écriture fantôme timide. On a eu l'ombre. Le MF5, du coup, c'est sûr? Bah oui, je l'avais en main. C'est toi qui l'avais, d'accord. Parce que si donc, c'était Weirdo, c'était la parabole qu'il avait. Ouais, il n'entre pas MF5, en chasse. MF5, ok, donc on a une ombre. En fait, quand je suis passé prendre le livre, j'avais le truc allumé et j'ai eu le MF5. Donc c'est la pièce principale où elle passe, de toute façon. Bon, bah il faut la prendre en photo. Il y en a qui ont des crucifix? Ouais. J'en ai pris un. Hein. Alors, c'est un être timide qui se go, j'arrive, Weirdo, c'est un crucifix. On tente la photo. Alors, t'es où? C'est à l'étage? Le fantôme n'entre pas en mode chasse s'il y a plusieurs personnes à proximité. Bah oui, c'est ce qu'on fait, justement. On veut qu'elle vienne. Et qu'il y a de l'eau, sale à prendre, normalement. Je te suis, hein. Ok, c'est que je vais essayer de trouver le lavabo. On cherche l'eau sale, nous, on est à l'étage. Il y a encore un escalier qui monte? Oh, c'est quoi, cette baraque? C'est un grenier en haut. J'ai pas d'eau sale. Hein. Ah non. Non, non. Là, bah, la cuisine, t'as été voir en bas? Bah non, on n'a pas encore. Eh bah, on descend. On redescend dans la cuisine, pas d'eau sale à l'étage. C'est comment déjà son nom? Je sais même plus, moi. Marie quelque chose. Ah. Bon, si tu la vois, t'entends un battement de cœur, tu me dis, hein. Il faudra que je prenne une photo. Ouais, j'ai un appareil photo là-bas aussi. Ah ouais, on est deux, bah c'est cool. Alors ici, comment c'est l'eau? Il coule celui-là? Vas-y. Donc, ouais, normalement ça marche. C'est typique, c'est allumé. C'est propre. Parce que tu as dû l'allumer. Ah, la lumière s'est allumée là. Ouais, Marie, si tu es là, montre-toi pour une photo s'il te plaît. Restons ensemble. Peut-être qu'il y a une mécanique qu'on avait zappée, là, tout objet. Pas besoin du briquet, non, pas de photo là. Non, mais comme elle est très timide. Mais l'eau sale, elle se fait comment? C'est marron. Ça coule directement marron en fait. Tu sais, il a mis du sel, tu vois, donc l'ombre elle marche pas dans le sel. Marie, est-ce que tu veux être prise en photo s'il te plaît? Ça, c'est le détecteur de infrarouge. Ah non, c'est un chauffage qui marche. Marie. Waouh. Maintenant, montrez-vous. Ah oui, une petite photo s'il vous plaît. C'est Marie Stuart? Allô? Non, t'entends Marie Smith. Non, c'est le MF, non? C'est plutôt la Spirit Box qui fait ce bruit là. Et là. Marie Smith. Non, c'est toujours bleu. PH, alors, il y a la lumière dans le salon. Mais. Ouais, je suis
Ah. Qui est-ce qui est chassé? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que vous la voyez? Voulez-vous être prise en photo, s'il vous plaît? Montrez-vous. Alors, surveillez bien. On est tous ensemble. Je vois rien du tout. Je l'entends à gauche, moi. À gauche de toi? Ah, ah oui, je l'entends. Ah, elle est là, milieu. Eh merde, c'est moi. C'est... Merde, merde, tu mords. Je n'ai pas vu venir. Eh ben voilà, chers auditeurs. Eh ben c'est cool. Ah, c'est marrant, je l'entends encore. Bon, vous l'avez eu en photo ou pas alors du coup? Ça a pas marché, pas, moi. Je crois pas. Hein, non. Ça a pas l'air. Non, ça a pas marché. Alors du coup, je fais comme vous. On va voir comment ils vont faire. Je l'ai vu glitcher, mais j'ai pas eu le temps de. C'est bah, con, franchement, pas l'attaque à plusieurs, regardant. Ouais, non, on n'a pas du tout en photo. Là. T'as pris Tech en photo là? Ouais, j'ai pris Tech. Mais merci. Tu le vois pas parce que. Dégueulasse de Tech, ouais. Ah non. J'ai les deux appareils photo en fait. Quelqu'un veut un appareil photo? Ouais, moi je veux bien. Hop, j'en ai lancé un là. Ah, elle était rapide. Bah, je pensais l'avoir pris en photo, moi. Une petite fille quelque part. Attends. Je sais pas où il est, il est là. Je pensais l'avoir chassé avec le crucifix, mais ça n'a pas marché. Je comprends rien à comment je fais utiliser le crucifix. Autre quand tu le jettes par terre, mais c'est vraiment pour avoir le mot chassé. Ouais. On va peut-être remettre. Alors, c'est marrant parce que elle est vraiment apparue au milieu de nous. Ouais, c'est une mort aléatoire là. J'ai pas une bol. Bah, elle a pas déjoncté. Non, c'est moi qui l'ai remis. Ah, elle m'a comment démembré là? Pour les ombres, c'est quand même mieux. J'entends marcher là-bas. Ah, je suis fait à. Je sais pas, justement en tant que fantôme, est-ce que je peux la voir dans le monde parallèle? Ça serait intéressant. Marie, es-tu là? Par contre, cette fois, dans cette mort-là. Pas bon ça. Ah, c'est cool. Pas bon. Mais si, c'est bien. On veut voir. J'entends le cœur. Ah non, je l'entends vachement bien. Ah oui, il y en a qui meurent. Ah, il s'étrangle lui-même en fait, regarde. C'est ça les mains. Weirdo, t'es vivant? Ouais. Putain, salope de petite vieille là. Tiens, salut Tech. J'ai écroulé. T'es là toi aussi? Ta là là, tu l'as vu là? Non, putain. Oui, mais alors, le problème putain, c'est. En plus, j'ai essayé de la prendre en photo, mais pff, pas moi. J'ai pas réussi. Par contre, c'est marrant, tu vois les mains, c'est toi qui t'étrangle en fait, la mort. On va perdre du pognon dans l'histoire. Faut qu'il valide là, les mecs. À la prendre en photo, en fait. Il faut qu'il valide. Ouais, non, mais ouais. Attends, mais il y a trois personnes, c'est qui est là? C'est toi qui dors? C'est pas lui qui était là. Ah non, t'es avec moi, on se voit en fantôme. Non. On se voit en fantôme. Bah oui, on se voit en fantôme, ouais. Ouais, il est pas ah, pas salut. Pas alors, attends. Ouais. C'est cool. L'ombre, quand même. Alors c'est marrant parce que nous on risque rien. Oui mais alors je pense, je me demandais, est-ce qu'on peut l'avoir dans le monde fantomatique? Mais pas du tout. Je t'ai juste vu t'étrangler et tomber quoi. Par contre ah ouais. Les battements de cœur, je les entends. Si normalement tu peux l'avoir se déplacer. Je préfère quand c'est un petit bâtiment. Je sais plus ce que c'était là. Ils ont pris une photo de. Ah si, je l'ai bien prise en photo là. Ah, tu l'as dans le journal? Attends. Ouais. T'es sûr? Mais non, c'est pas... Non. C'est raté, hein. Si, moi je... Mais je la vois pas, hein. Je la vois pas, moi. Ah... Mais oui, c'est-à-dire de te barrer, qu'elle est plus santé mentale, qu'elle a la F10, mais j'ai l'impression que passe mal. EMF10, ouf. Est-ce qu'ils vont avoir l'idée de valider le canon? J'ai une photo dans mon journal où il y a marqué fantôme et puis je l'ai en gros plan, elle. La petite vieille avec sa photo. Ah oui, j'ai fantôme, ok, mais moi je vois rien. Et n'empêche, je suis resté en face d'elle. Bravo. Pour prendre la photo. Bravo. Mais quand je suis mort, oui, elle a popé entre nous quatre et je dis bordel, qu'est-ce qui se passe? Par contre, ouais, j'étais là, tu vois, et je me suis dit, bon, je vais la laisser venir et puis je vais me barrer par là. Ah. Sauf que une fois qu'elle était devant moi, j'ai paniqué, je suis passé par là. Ouais, dès que tu la vois vraiment, tu peux plus, t'es coincé. Hein. Je crois qu'on peut pas la réchapper. Hein. Si, en fait, tu peux reculer ou bouger plus vite qu'elle. Arrête, dans un asile.
il y a des esprits qui vont plus vite que que ton perso. Ah oui, je sais bien, parce que dans l'asile, quand je suis mort, là, l'asile pendant une heure qui était buggé, le machin il courait à quatre pattes dans le couloir, quoi. Ouais. À quatre pattes. Ouais, oui, bah là on craint plus rien, je te suis. Il y avait un autre endroit où tu pouvais te cacher ici. Complètement ouf là. Bon, je le garde cet épisode, vous allez le voir. Trop marrant. Deux morts là. Oh, elle est là, elle est là. Comment elle ça, est là, tu l'entends? Oui, j'entends. Ah oui, c'est pas toi le bruit de pas, d'accord. Non, non. Marie, tu nous entends? Parle nous, on vois, est fantôme. Tu peux te cacher dans les casiers comme ça. Ça marche ça? Ça fonctionne. Ouais. Ah ouais. Ça sert de protection. Oui, quelqu'un a allumé le zibro en fait. Moi, je ne voyais pas ce truc là dans le. Si, si, je l'avais remarqué. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc on entend ces bruits de pas, bon, en fait. Eh ben, on va écoute... voir ce qu'ils sont en train de déduire. Bah ouais, ça serait vachement bien qu'ils valident. Ouais, allez, bah, con, ils passent sans nous. Non. Ils ont trop peur, ils ont trop peur. Ah ouais. Ah ben, GG, hein. GG. C'était bien une ombre, j'ai une assurance de $240. Waouh, moi j'ai eu que $100. Tu vois, ah, en gros, t'as plus de fric. J'ai rien perdu, vous avez tout ramassé? Ah, moi j'ai tout perdu. Bah, non, c'est... bah, comment ça se fait que l'un a tout perdu et pas l'autre? Ah, je sais pas. Bah, écoutez, en tout cas, on verra un prochain aventure, un prochain épisode. Moi, je trouvais ça bien. Et on vous dit à bientôt. Bah, les gars, vous êtes un peu dégueux, hein, les uns dans les autres. Oh. Ah, décidément. Merci à vous en tout cas et au plaisir sur un prochain épisode. Bye bye tout le monde. Ciao. Salut. Bye bye.